Le Serpenson Stand-Up Paddle Event, c'est un événement convivial qui tourne autour du stand-up. Le stand-up, c'est une grosse planche de surf sur laquelle on rame debout. À l'origine, ça s'utilise plutôt dans les vagues, c'est un gros surf. Et pour démocratiser l'engin, on a pensé petit à petit à l'utiliser dans toutes les conditions. On oublie le surf, on prend de l'eau plate que ce soit sur le littoral en Atlantique, en Méditerranée. Et maintenant, ça pénètre sur les rivières intérieures et sur les lacs, dont le lac de Serpenson. La compétition comprend plusieurs temps forts. Le premier temps fort, c'était une race, une course de 14 km qui vient de départ de la baie Saint-Michel, aller au barrage de Serpenson au retour avec un petit peu plus de 14 km. Donc cet après-midi, on est en train de mettre en place deux courses de 1 km, deux environ. Des courses plus sprint et spectaculaires pour les spectateurs et monsieur tout le monde qui sont sur la plage. Et comme il y a beaucoup de parents qui sont venus avec leurs enfants, on va faire en fin d'après-midi une course d'ici une heure. Pour les enfants qui ont de 8 à 10 ans, 8-12 ans. Ah, il va pas monter les branches, je sais pas. Premier passage, on va chercher en premier passage la orange qui est là, on retourne à la première, deuxième passage, on vire l'inverse. Ouais, inverse, toujours on les laisse à gauche, sinon ça va se croiser, ça va être chaud. On laisse à gauche. On retourne chercher donc en deuxième passage celle de droite, un deuxième passage à celle de gauche. Et dans 20 secondes, et c'est là 20 secondes. Il a besoin de moi jusqu'à quand là. Là après, dans un temps record, jusqu'à l'information, nous la sommes à 5 minutes 23 secondes. Et notamment le premier à arriver, le Dossard 16. Il a tout gagné. Suivi du Dossard 12 avec un temps de 5,47.
Le premier effectue un temps de 5,42. Écoute, ça fait la deuxième année pour tous les deux que l'on vient, donc c'est que l'organisation est au top. Donc on était venu l'an dernier pour un parcours plus court et cette année, il a vraiment mis la sauce, Bébert. On est sur un truc avec 14 km ce matin et là, un effort assez court mais explosif, donc avec deux fois un kilomètre. Super sensation, c'était vraiment sympa. Vous avez l'habitude de le faire sur lac aussi d'habitude ou vous faites sur d'autres éléments? Non, le lac c'est, moi la dernière fois c'était l'année dernière ici. Là, d'accord, sinon en mer? En mer, plutôt d'accord. En mer. La différence, il y a une différence entre les deux ou pas? Il y en a qui le sentent, moi franchement non, c'est juste la beauté du paysage. C'est vrai que c'est assez surprenant la première fois. Et là ce qui fait la différence ici aussi c'est l'ambiance, vraiment une super ambiance, très conviviale. Et, non, on passe une un bon moment. Journée, là. Oh!